Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi 8h-9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti, qui bon campé? Chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, a droit à parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Filimin, Clarence Noir, Premier ministre Evans, Valérie Nima, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité, nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé, du lundi au vendredi, de 8h à 9h AM, sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise, 7h, 8h PM. Société qui va balancer, si vous capez la différence. Bonjour, messieurs, bienvenue sur Planète FM. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle sortie de l'émission Haïti qui bat campé ce matin. Notre invité, Ronsard Saint-Cyr, ancien ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, actuel président de Nous Paris. C'est avec le matin, on va commenter l'actualité politique. Merci à Anoucha qui est déjà avec nous matin pour l'émission Haïti qui bat campé. Merci à Junior Fejus qui a assuré la mise en ordre. Et bien, c'est finalement à Ronsard Saint-Cyr de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà, bonne écoute à tous et à toutes. Ronsard Saint-Cyr, bonjour. Plaisir, mon matin. Bonjour, Bichara. Salut, staff techniquement. Bonjour, on salue tous les auditeurs radio Planète 97.7 et surtout auditeurs émission Haïti qui bo campé. On salue tout le monde dans le sud et tout haïtien parce que mine de rien, émission ça tout haïtien tandis ni en Haïti ni à l'étranger. On salue tout auditeurs radio Imagine FM, radio Télé au Signal, radio Concorde, radio Indépendance FM, tout le monde dans la troisième sortie, tout le monde sud, et un gros coup de chapeau à coordonnateur, nous parler dans le sud et nord, à tout staff qui a fait un gros travail. Merci. Et nous profite de tout, nous félicite au Bichara, c'est le premier jeune garçon qui réussit à imposer une émission qui passe dans la Port-au-Prince, mon cher chapeau, bon travail, bonne continuité. Merci infiniment, Ronsard Saint-Cyr. Merci parce que vous êtes disponible pour nous, maintenant. Alors, avant d'aller dans la question, kidnapping, Ronsard Saint-Cyr, puisque vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, et vous êtes, moi, si vous regardez, dans PNH, je suis certain, vous êtes, une monde qui est bien indiqué pour que, maintenant, nous parlions de situation, sécurité, pays. Mais avant, on nous dit des mots, sur grève, là, Ronsard Saint-Cyr, on dit, t'es gagné deux journées de grève, qui étaient annoncées. Pour un peu de monde, et journée, ça, t'es réussi, c'est même constat que vous faites? Oui, il est très réussi. Je me constate, parce que pendant deux jours, ça, moi-même, mais si vous voulez pour Prince, il réussit, très réussi. Et d'abord, ça me tendait tous deux provinciaux, il réussit. Mm-hmm. Au niveau de la caillou. Ouais. Alors maintenant, il faut s'interroger sur les raisons et les mobiles de cette réussite. Mais quand ça nous voit, deux jours réussis. Mm-hmm. Ouais. Et grève ça a été faite, alors des journées de grève ça a été faite par rapport à l'insécurité qui est dans le pays et phénomène qui est d'apprendre. D'ailleurs, hier, moi t'en dis, Premier ministre, lui-même qui prend acte de des journées de grève ça a été, il dit que c'était une réussite. Maintenant, bon tout, et entrer dans la question et kidnapping avec vous, on s'assure, on dit ou même, monsieur certain, ou c'est un spécialiste dans la question et sécurité. Et là, moi, je connais que, au bras, ben, nous, des éléments, et qui est important pour que nous comprenions, phénomène, ça. Si nous cherchons à comprendre, montée de phénomène kidnapping, là, on s'assure, on dit, je dis, phénomène, ça, les montées de cran, dans le pays, hein. Qui ça, pour nous comprendre de montée de kidnapping, là? Qui ça, qui, à la base de montée de kidnapping, là, dans le pays, hein? Permettez-moi mettre un petit lumière sous situation. Forme d'où que deux mois de cela, il était beaucoup plus grave que qu'on est là.
ça te vient boli de moi de cela à une telle intensité, c'est parce que un, c'est les troubles sociaux, politiques qui involvent automatiquement des problèmes économiques. Deuxièmement, c'est une faiblesse opératoire au niveau du système judiciaire de la police. C'est une faiblesse opératoire au niveau du système judiciaire et du système et de la police nationale. Mm. Pas vrai? Où est-ce qu'on a un nouveau chef de police qui fait des opérations, qui mène des opérations répétées dans des zones qui t'a supposé des cachettes, pas vrai, pour des bandits, que l'on veut ou non, même si on mène en opération dans une zone chaude qui t'a cachette pour bandits, même si il n'est pas réussi à 100%, mais pas dans l'opération, team sauvé, on ne dit pas qu'à assurer un monde kidnappé dans la zone ça. Maintenant, sans pour devenir un problème, côté tout le monde obligé de mettre main là-dedans. Vous comprenez ça? Ça que vous arrivez, on va prouver que c'est pour une fois à côté, leur déplacer le phénomène d'insécurité de Port-au-Prince, ils viennent tomber sur un série de provinces. Pour qui ça? Parce qu'en général, n'est qu'à faire bandit pour Port-au-Prince, ils sont dans la région. Toute la région, la police repousse sur l'ouest, lui tourner la région côté hier, ou bien toutes les régions côté fait là, lui refermer ce couple là, lui refermer encore. Ouais, nous devons vivre ça avec Anel Joseph. Voilà. Non, il y a plusieurs fait, et la police, ça t'est arrivé la plateau, arrivé là, parc de Monique, il est arrivé là, ni tout. Heureusement, la police réagit rapidement. Ouais, il est assistance qui est arrêté mais yo. Donc ça vient augmenter ça va la police là. Mais progressivement, depuis les moyens, depuis la population commencer, continuer, collaborer avec la police, n'a pas venu jambe de la Ali améliorer pendant les derniers mois ça. Et me crouer la PNHA, me crouer la commissaire police, me crouer la justice pays, moi tu fais confiance. Il n'est pas foutu augmenter, l'objet diminuer, ça fait niveau l'on côté, l'on niveau pour suspendre nuit société. Mais cependant, nous avons souhaité tout que la nouvelle constitution mette des lois qui renforcent le système pénal. Parce que le été fait loi ça y est, pas de phénomène kidnapping à déporter. Dans ce que nous avons compte de faux phénomène ça y est, la nouvelle constitution, la nouvelle loi, parce que en constitution. Ak loi yo yo la pou permet société à vivre tranquille. Bon, l'on parle de kidnapping et on s'assincier, monsieur certain obligé tenir compte de réalité sociale là, mais obligé garder le par rapport à économie nous puisque il y a des monde qui pense que il y a des monde dans secteur économique là, yo même tout qui compte contribuer pour que justement gain insécurité blaye na pays, mais n'a pas campé sur politique là puisque ces jours-ci li intéressé moun yo en pile lundi moi tande gen on approche qui fait gen de moun qui dit ah question monter kidnapping nan mon cher et c'est pouvoir d'el qui ça yo baye pour que yo dit c'est pouvoir d'el yo dit ah mon cher pouvoir servir avec ça pour que pouvoir ka faire moun peut sortir tout comme dou gen de moun qui dit ah sous opposition caché derrière ça parce que yo besoin déstabiliser pouvoir nan deux approche ça qui ça ka plus timbé. Les clair, les simple, les très logique. Lorsque deux, trois kidnappings qui fait, tout le monde en pouvoir, il se sentit gêné. Pour ne pas dire qu'il paraît l'aide. Par aucun citoyen haïtien, même citoyen du monde, capable de logique, on va faire l'aide. Donc, pour moi, il est hors de question pour nous dire que c'est vous qui avez fait le kidnapping. Même si on tout, on ne va pas dire que c'est l'opposition qui a fait le kidnapping. Parce que la police, DCPJ, la justice aveugle, moi je dis, mais répétez-le encore. Depuis la police a fait job, j'en ai fait là. Depuis citoyens ont collaboré avec la police, nous avons aimé que la population, la police, ou bien arrêter un kidnappeur, pour me qui est-ce qui a la gueule. Donc, et pour la population fait job avec la police, le monde a arrêté pour la guerre maintenant, mais dit que c'est le monde qui a été kidnappé. C'est ça pour corriger. Donc, on va faire tout de compte que toute richesse pays a concentré sur l'Ouest, les gens sont bien. Parce que Bandia, là, fait une nouvelle dans nous. Là, pour chercher perception en tout. Là, pour chercher faille tout. Depuis qu'il y a faille, là, pour opérer, c'est un business qui est très lucratif.
li très lucratif. Et si nous affaire n'a ciblé moun n'a accusé pour kidnapping nan, nous va rater bon cible. En tête prête quitter la police travail. Maintenant qui ça pour faire et on s'assiste pour que plus ou moins nous essayer d'arabdi résoudre question ça question kidnapping nan, tout au moins éradiquer. Les très simple. Il faut pour la population collaborer. Pas seulement bon. Combien de temps prend pour reconnaître un kidnappé dans le quartier? Sous gens, les payer, les racheter. Sous gens, jouer au poker. Sous gens, dépenser dans le bal ou un kidnappé. Tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît ce kidnappé. Mais nèg sa yo c'est en général c'est pas pas zone na yo ou pensez moun nan zone n'a dénoncé comme ça. Voilà, voilà, faut qu'on prise confiance ou même tout un bicha qui vont gros écoute, faut nous faire des émissions pour ça, tout monde dit moun nan même si moun nan bon deux goudin, leur font kidnapping, mais ces petites on moun tant qu'ou que maximiser, on fait la prouver pour tout, faut comprendre ça. Comment ni ça. Comment maintenant il faut que l'état tout vienne mettre les communautés à service tout. Pour les river je vais monter à l'autre côté de l'État. L'État a un gros travail pour faire tout. Parce que c'est parce que l'État manquait à travailler pour le monde en service côté de l'IA qui fait le kidnapper qui a passé l'État pour contrôler le monde. Ce qu'on pas qu'à travailler, vous faites, et c'est rôle l'État et l'argent là. L'argent là. C'est que tout le monde prend responsabilité. La société a soulevé contre lui. La population collabore avec la police. La police, DCPJ qui est moyen, parce que moi, je dis que, moi-même, on IGPNH, la police fonctionnait avec moyen. La police, pas l'armée. L'armée entraînée, l'île en calme, l'a mangé, l'a tonne. La police, elle est dynamique. La police fait opération chaque jour. Donc, la police coûte comme. Il y a moyen de travailler. Il y a bon résultat. Dans le DCPJ qui est tout technicien, il y a bon résultat. Et c'est parce que, et au contre-travail, Bichara, qui ferait, qui souffre que n'apprend là, fait n'apprend qu'on y a là. Parce que c'était une époque, il était tellement grave, moi-même personnellement, des trois prochains, qui ont été kidnappés. Il était tellement grave. Mais il y a deux semaines, trois semaines, il y a un monde que moi-même connais qui ont été kidnappés. Il a commencé à diminuer, c'est parce qu'ils font un gros travail au fur et à mesure, pour nous faire travailler ça. Ensuite, pour contrôler les amis légaux. Parce qu'il y a trop d'amis légaux dans le pays. Parce que pour l'État, by service. Il faut que l'État vienne souverain pour la by service. Parce que l'État manque by service et pour apporter sur la coule douce. Ok, on va entrer dans la politique. Je suis capable de dire Dieu là, on s'assassine, on dit jeudi à 3 février, débat. Maintenant, on dit de tourner autour de mandat président républicain. Il y a un ensemble de secteurs qui prend position de manière péremptoire par rapport à mandat. On dit l'Église catholique, les font sortir et les rappeler que président Jean Léo et sénateur Oadea, et l'Église catholique dit président, la loi est une pour tous. On dit, ensemble de secteurs qui prend position par rapport à mandat président, est-ce que vous pensez que là, et situation président du jour en jour, l'a compliqué, est-ce que vous pensez que président a capable de sortir dans ça, en ce sens que président, de toute façon, l'a dit mandat et a fini 7 février 2022? C'est peut-être ça que, bizarrement, en partie politique que nous créons, en 2020, une grande accès à une nouvelle constitution. Mais c'est tout le monde a trouvé, mes chers frères, comment on a trouvé, comment on a pensé qu'en 2021, pour un pays diviser son mandat en président, c'est inimaginable. On pourrait ça, c'est la faiblesse de cette constitution. J'aime tout me demander mon nouvelle constitution. Ensuite, si on dit que le mandat président, c'est 5 ans. Comment l'autre côté, il dit que sous cinquième année, 7 février, fort au nouveau président. Là, en conclusion. Et chaque monde interprète de façon pareille. Et là, étant, c'est pour nous un dialogue. Franchit à vous dire, mais qui ça. Mais moi, je dis qui est censé, qui fait sens. Le plus facile pour t'appliquer par rapport à ce que j'interprète là, aux élus, aux sénateurs, vous pour qui ça? Parce que les sénateurs, allez, le devin.
Les 20 sénateurs allés. Vous êtes 10. Bon, l'ombre est allé, ça qui était. Ça n'est rien. Et ça, comme ça. Ça, c'est. Ça, ça, ça sont... La présidence, son institution, à travers le monde, on va faire que le président, son nègre, que vous protégez différemment que l'autre monde. Parce que son monde, l'autre parle encore, pays pratiquement à plat. Ça, son approche, plus ou moins. Ça, son approche, plus ou moins, pour toucher. Et là, dit. Conscience et mounio à un certain niveau on s'associe. Mais on dit par exemple ensemble deux mounio par exemple qui estimait que certains sénateurs entre guillemets étaient victimes de la part du président. Est-ce que vous pensez que approche ça la privé sur c'est pas même en prise de conscience hein? C'est un pour même c'est un fait où dit président faut aller en 2021 lui de lui-même c'est 2022. Bon, est-ce que vous êtes allé? C'est bon chita? Ou pas j'en connais? C'est bon chita pour nous entendre nous. Pour nous entendre nous, pour expliquer qui pour les mignons, pour expliquer les ressentis, parce que c'est vrai que bon, ils sont maintenant en belle bataille, plus pendant 3 ans. Pas vrai? Il a exprimé pour les mignons, pour expliquer les mignons, pour les parler tout, pour expliquer les mignons, pour nous chita contre haïtien, pour nous sauver le pays. C'est parce que pendant ce débat ça, gon ti moun ka mouri ka choko gon fòm ase ti pa ka kouche gon jeune garçon jeune fille qui vle kap kapé grand matin à 4h du matin devant consulat dominicain pour mon visa ce qui signifie ne pas de bon côté que dominicain pa mande ou pa pe travay li pa mande ou état compte pour bon visa c'est là balè qui pour moi qui gère on semi humiliation en campé ça en attendant nous pour nous avancer ensemble parce que gon confusion vraie. Mais c'est pas clair la constitution. Confusion, on a dit gain confusion, mais ensemble de secteurs ça on ça c'est qui camper qui dit mandat président fini, on dit fédération des barreaux, il prend position clairement, il dit mandat président fini 7 février 2021 d'église catholique et secteur protestant réagit également, mais l'autre tenir compte de ensemble de secteurs vit tout ça aussi me garde le comme ça entre guillemets. Qui prend position de manière formelle par rapport à mandat président, mais est-ce que vous pensez que la facile pour que le président li kembe tête? Non, c'est pas que c'est facile et difficile, non. Il y a une position par exemple que Max Kilmé respecte. Président a une position pâle. Ok? Et il y a un paquet de monde qui a une position à président. Donc on est là, c'est pour nous chita, pour nous entendre nous. C'est ça que tout le monde dit, parce que jusqu'à présent, tout le monde est dialogue. Sauf en partie la position qui vit par dialoguer avec Jovenel Moïse. Qui pour moi, qui n'a pas fait sens. Mais là, son citoyen haïtien, mais là, son chef d'État dans le pays qui est Haïti. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on parle tout à l'heure. Vous comprenez? Qui n'a pas fait sens. Donc, en nous cherchant où dialogue là, moi qui ai un café pour nous entendre vers les élections. Moi-même. Dès le départ, depuis l'année dernière, nous étions clairs qu'il faut que c'est un élu qui va passer en élu. Parce que ça me semble, je laisse Aïssel en comprendre. Bichel Gatou, mon jeune en pile, c'est vrai. Mais cependant, même dans l'histoire, attendez, qui ça, transition, j'aime voter pour Haïti. Même dans l'histoire, un des jeunes, que, pas de bâtir le son, même son ancien cadre de l'État, ou un long pays sous-développé, la transition, l'est considéré comme un État semi-délinquant. Il n'y a accès à aucune table de négociation, à aucune table de coopération bilatérale ou multilatérale, sauf en cas de catastrophe naturelle ou cas de guerre. Mais est-ce qu'en Haïti, qu'on a une transition? Il y a un gouvernement provisoire ou une transition? Parce que pas jamais, il y a une tentative effectivement de rupture qui va te faire douer. Parce que depuis maintenant, les parties sautent dans la surface universelle pour moins de transition. Parce que le passé long suffrage universel, long élection, ou proposer peuple là en bagaille, peuple là bon pouvoir pour maille pour lui. Mais l'autre point comme ça, on va de on a un. L'autre point comme ça, mais on m'a dit Bichara, si on m'a dit prise de provisoire, on ne peut pas m'aider non, dans l'interview. Parce que pas tout passe rien. Avec cette nuance, dans le gouvernement de transition, on fait de M. Certain, il a obligé et président quand même. Regardez, Bichara, à travers le monde, qu'on seul fait de route, ça peuple là-bas.
Telikwa. Eh bien, en tout entrer dans l'accord et opposition à Jouenna, on dit, oh, mi famille Lavalas et qui pas signé à quoi, majorité et secteur dans l'opposition à eux-mêmes, ils ont paraffé à quoi. On dit, n'a quoi ça, ils sont d'accord et sont un juge dans la Cour de cassation, qui a fait 2 ans dans cette transition, et puis, le premier ministre qui a sorti ou bien dans le secteur politique là, ou bien société civile là, qui gens nous-mêmes au niveau de nos parés nous concevoir accord qui viennent au sein de l'opposition. Mais même regarde tout ça honnête de regarder ça c'est vraiment de poser à regarder qui ça en opposition poser à regarder qui ça qui côté ça menace là voilà voulait aller même après dire une grande bagaille. C'est pour nous chita pour nous entendre avec le président pour nous aller vers une élection parce que Haïti pas capable encore. Construire ce pays là parce que ouais, le plus grave pour un peuple les la demain est certain le plus grave l'homme est un peuple la situation côté l'endemain est incertain on a peuple ça en espoir on allait vers ça on allait vers les élections mais pour ça que parce que peuple haïtien c'est pas qui plus intelligent au monde à mon avis donc si nous d'accord que PHTK majeur pouvoir pas vrai. Et mes messieurs, nous tous mettons ensemble, quand vous avez un grand candidat, à la bataille de la CK. De vous parler à peuple dans tout pays, dans toute commune, où vous dites que la CK a mal géré, de vous comprendre ce que vous dites là, la vote est une nouvelle. Lui aussi, c'est plus ça. On a de l'hôpital. On a de la démocratie. Mais avec celle nuance on s'assécie mon capitaine de la gang doit dire ah on ça mon chef fort très prudent puisque là n'a fait débat sur question mandat président qui va quand même résoudre qui va quand même fin poser en ce sens que président d'accord pour que mandat fini ou bien opposition d'accord mandat président fini 7 février 2022 bref nous encore dans débat ça si débat ça va qu'on fin épuisé question va qu'on épuisé. Est-ce que vous là, nous avons parlé des questions organisation et élection? Pour moi-même, nous sommes aujourd'hui 3. Débat pour moi, il est abusé. Pour deux raisons. Premièrement, le président dit plusieurs fois que il va voler cette année 2021. Ou pas qu'il va aller. Deuxièmement, moi-même, je parle très souvent avec le président Jovenel pendant 5 ans. Monsieur Pagin fait un amende qui parle. Donc, quelque part, le pays a plongé dans le chaos? Chaque monde a fait un amende parle. Le pays a pas tombé dans le chaos parce que l'opposition, que le journal, tout est en Haïti. Ce n'est qu'à 40 ans, 50 ans ou là, parce qu'on est en Haïti ou à Goumé. Livré en côté, il y a un tableau tabla au nom de l'amour pour cette patrie commune qui est Haïti. Oui, alors, on s'en sait. Deuxièmement, pas de confusion, Bichara. Ça, pas de confusion. Yuri, pratiquement, c'est qu'on décide. Moi, parce que je fais tout le casse-nous, pas sur le même côté, à un an différent. Ouais. Monsieur, je suis un champion, un lauréat. Tout côté, pas c'est lauréat. Je me dis à 2 heures et demie, Yuri, tu as dit la métropole, que le président parlait en 2022. Et monsieur, avocat. Pas vrai? Qui président le président en 2022? Oui, tu as dit monsieur, la métropole. Qui le? Regardez, deux balles en YouTube, pas quoi. Yuri dit la métropole. À qui moment de la durée, il dit ça? Parce qu'il y a position sénateur. Laisse-le président sénat. Attends, on s'assiste. Mais position sénateur, Yuri l'a dit, mais il dit, mandat président fini 7 février 2021, d'ailleurs, il est en mouvement. Non, qu'on y a là, il est dans l'opposition. En position a changé? Ok. Yep. Si on est aussi brillant que Yuri, et pas n'importe qui. Président Sénat, brillant avocat, dit la métropole. Pas vrai? Donc, pour confusion. Qu'on deuxième bagarre encore que je suis capable de dire. Laisse à sénateur là, toi, tu es proche pour voir. Non, même pas, pas garder ni proche, ni ouais. Eh bien, deuxième fois, monsieur, il est là, toi, monsieur. Avec importance, mon nom. C'est juste ma boucle pour confusion. C'est si ma vie devient confusion pour nos chita.
Ok. C'est bien Bon, confusion, bon ça c'est si. Bon, mais va que question puisque faut nous aller sous accord puisque nous t'es déjà hier nous t'es déjà amorcé. Mais en évacue question. Andy président lui-même dit convaincu que mandat pas la finir 7 février 2022. Bon ensemble de secteurs dans la vie nationale là qui dit clairement mandat président fini 7 février 2021. Là gon dilemme. Et gè des moun approche des questions, il y croit que de toute façon si président pas d'accord qui débouva 7 février 2021 cabinet pays a gal plonger dans un chaos. Est-ce que vous partagez avis ça? Non. Les papes tombent dans le chaos parce que même gens, on dit, même gens, Montaïo dit qu'il va tomber dans le chaos, mais il y a un monde qui est satisfait de sa journée, elle fait à tout, qui va dans le chaos. Parce que je suis presque sûr que mon nord-ouest n'est pas dans le chaos. Je suis presque sûr que mon grand nord-ouest n'est pas dans le chaos. Parce que j'ai une satisfaction. Alors, je me dis de bien que je connais que ma terre est là-dedans. Donc, c'est-à-dire, si je parti pour mon parti contre, c'est pour mon chita. C'est là qu'il y a encore, c'est pour mon chita. Parce que là, il y a un côté pas clair. C'est son loi de la vie. Même là, on est, ou pas sur machine, pour faire mon, madame, on dit Tota, ou même, ou dit BM. C'est pour chita, madame, on dit, mais ça n'a pas fait. Donc, c'est son loi de la vie. Et pour nous appliquer. Ok, à 4 jours de 7 février 2021, vous pensez que jusqu'à présent, et dialogue là, dit possible avec le président Jovenel Moïse et l'ensemble des partis qui au sein de l'opposition? Là encore, je lance un appel solennel à président pour chita avec Négio. C'est retenu pour parler créole que Négio comprenne, non? Puis on comprend une position. Moi, de position solennellement, Rochita, président, avec Sénat, à tous ces peuples vitaux en pays, pour sauver les peuples. Parce que le président, que le sénateur, que moi-même, que le secteur privé, il y a l'âge déjà, il y a mangé déjà. Ce n'est pas nous qui nous avons, parce que nous avons déjà mangé. On a des petits mondes, les jeunes, qui pas mangé, pas qu'un avenir. Pour être jeunesse, pour être femme, qui ont travaillé dans tout le pays, je dis Rochita. L'annellement parce que à faire tout bon déjà, y compris moi-même, un bagage de tête, non, un gars de monde qui est derrière, mon soleil. Ok, maintenant, on retourne sur Akwa. D'ailleurs, c'est Akwa qui a annoncé que il va facile, puisque l'opposition a signé Akwa. Si vous signez Akwa, ça a dit vous-même, monsieur, certain, il va être attaché à Akwa que vous signez. On dit, hier, par exemple, monsieur, voir. Et ancien sénateur Maurice Jean-Charles, mais lui-même, lui accouché à 7 février 2021, et moi, lui accouché à accord qui signe en tout. Oui, m'entendez ça, moi, compte à tout. Mais c'est, moi, d'accord, mais comprendre, qui m'a eu approche ça, oui. C'est toi, oui, c'est des citoyens haïtiens qui ont fait la politique, qui ont leur propre revendication. Mais si que, moun qui, n'est pas d'accord, à cause de le chef de l'État, lui pas d'accord lui-même. Mais que vous chita avec lui. Parce que qui formule, vous pouvez faire ce qui n'a pas l'air là. Parce que formule, qu'a fait ce qui deux fois, c'est à mon pays. Vous avez formule là déjà, vous dites des choucages. Bon, gardons un mot pour nous répéter en 2021. Alors que nous, qui ça nous a fait pays déjà? Gardons des mots pour nous battre en jambes, répéter encore en pays. Mais c'est des malheurs que nous avons pu utiliser mots encore. Donc c'est pour nous imaginer ça en l'autre modèle. Pour nous parler en l'autre espoir. Moi, ça, moi, je compte, parce que je n'ai jamais fait aucun pays bien. Donc c'est là qu'on allait pour nous signer de nos chita. Il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Et je pense que pour l'amour que tout le monde a, que l'opposition, que le pouvoir, il y a un pouvoir qui chérit, pour souci que y a pour jeunesse qui est derrière là, qui ose avoir, je pense qu'il y a vraiment encore quand même. Nous t'en détour, allons confirmer que le président, mandé Sénat, on rencontre à 2 heures, mais à 3 heures, on n'a pas l'air aujourd'hui. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment est-ce qu'on a sorti quand même? Parce que plus qu'on a approché de réalité hein, que 7 février, le président a parlé à tout ce qu'on a parlé, plus on pensait que nous avons intérêt, nous avons plus de capdou, en volonté pour nous jouer nos solutions ensemble. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Merci infiniment, on s'assied ici, mon cher, je suis bien content de parler avec vous matin. Bonne journée.
Bon, moi je remercie. Bonne journée. Bonne journée, Wonsa Sensi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Wonsa Sensi, président.